faute d'équipement. Pompiers n'ont pas pu maîtriser le feu dont l'origine reste inconnue. Perte matérielle en mené et à Makasi, mais la nenge et à Boye pour la Rubongisa, pour qu'il y ait un ordre. Na Sengi Bango, ba représentant ba détaillant, ba yalobi na bureau, ba représentant Oya ba grossiste, administrateur ya marché Kozala, biso nyonso tout lobi to kutana na bureau na la primature, poto solatri ba ndenge to kosunga ba ndenge na biso ya marché ya liberté, oyo biloko eziki. Entouré du vice-premier ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé publique et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, la chef du gouvernement a demandé à la foule de faire confiance au gouvernement qui travaille pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Au chapitre des infrastructures, notons que la route nationale numéro 4 n'existe que de nom. Cette route d'intérêt capital est en délabrement très avancé. Le numéro 1 de la province du Bas-Zuélé, nous sommes au Bas-Zuélé, Mike David Mokemi, accompagné du ministre du Développement Rural, Moïse Ndzangi, ont ensemble affronté cette route pour se rendre compte de son état pour sa réhabilitation suivante. La route nationale numéro 4 n'existe plus que d'un an. Par manque d'entretien, la nature a repris ses droits, même les jeeps 4-4 sans bourbe. C'est terrible. C'est terrible. Et après, la route n'est pas là. Voilà. Il faut se munir des bêches et des machettes pour s'en servir et frayer son chemin. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, Moïse Ndzangi Butondo, en avait l'expérience avec le gouverneur du Bas-Zuélé, Mike David Mukeni, chacun met la main à la patte pour arriver à destination. Les transporteurs pris au piège ont reçu l'aide de ces deux autorités pour sortir des bourgs. Une route d'une importance capitale pour l'évacuation des produits agricoles qui doit absolument refaire peau neuve. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, est présent aux côtés des Congolais de ce coin, comme il a été dans le Bandundu et dans l'espace Kasaï. Vraiment, merci beaucoup. Mike David Mukeni, qui salue l'intérêt du gouvernement par la présence du Muzalendo Muindo, est encouragé par la population pour qu'il s'investisse afin que la réhabilitation de la nationale numéro 4 se fasse vite. Je suis d'abord content et satisfait parce que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le ministre d'État. Et pour moi, c'est la bouche autorisée pour prendre tous les pleurs de la population qu'il a lui-même entendu et apporter ça à qui de droit. Je pense que maintenant, ce qu'on est en train de dire ne va plus rester lettre morte. À son arrivée à la tête de cette province, Mike David Mukeni avait promis qu'il serait le gouverneur des terrains pour répondre aux multiples préoccupations de ses administrés. Une vision qui se marie bien avec l'engagement de son hôte du jour. Entre-temps, au sud de Kivu, la montée des eaux du lac Tanganyika au niveau des écarpements de Luanga en territoire d'Uvira sur la nationale numéro 5 perturbe le trafic entre Uvira et Fizi, une situation qui impacte les économies des provinces du sud Kivu, Tanganyika et Maniema, et un montant de 364 millions de dollars va être débloqué pour l'asphaltage du tronçon routier Kamanyola-Lulimba. C'est une affirmation du gouverneur de province Jean-Jacques Poukoussi. Oui, bon, de la route nationale numéro 5 sur le tronçon routier Louvungi-Lulimba dans le territoire de Fizi, sont menacés par les érosions, effondrements et destructions. Dans le territoire de Fizi, les humanitaires et les usagers alertent l'office des routes sur la dégradation avancée des ponts Suima qui est sous-menacée au PK 169, pont Lusenda déjà effondré au PK 203, le pont Mukolwe et au PK 208 et autres. Par ailleurs, dans le territoire d'Uvira, il s'agit des ponts Louvungi situés au PK 71, le Dalo de Kitemesho 2 ainsi que le pont Louberizi
situé au PK 86 de Bukov. Le directeur provincial de l'Office des routes du site Kivu, l'ingénieur Alain Mongangou, sollicite l'intervention dans l'urgence des autorités compétentes avant que le pire n'arrive. Nous sommes au pont Louvungi où nous venons de constater avec vous que le pont est en danger parce qu'il y a des affouillements qui sont constatés en dessous de Kine. Avec les pluies qui vont venir, le pont risque de céder. Par conséquent, nous lançons vraiment un cri d'alarme aux autorités pour voir comment faire des travaux de lutte anti-érosive, c'est-à-dire injecter les bétons pour éviter que le pont puisse s'effondrer. Alain Mongangou profite de cette occasion pour remercier le gouvernement congolais pour avoir financé les travaux de construction des trois ponts en béton armé et un pont métallique dans la plaine de la Rougézie en territoire d'Ouvira. Ce dernier précise qu'avec le paiement de la première tranche, la 501e brigade évolue bien avec les travaux de construction des ponts Kakenge au PK 97, pont métallique des Sangé au PK 101, mais aussi le pont Kavougougou qui a reçu la totalité au PK 108. Et dans le même registre, notons aussi qu'un nouveau pont va être jeté sur la rivière Bomokandi dans le Haut-Uele. Cette promesse du chef de l'État lors de la campagne électorale dans cette partie de la République démocratique du Congo sera bientôt une réalité. L'évacuation des outils devant permettre la réalisation de ce travaux a démarré depuis hier à partir de Kinshasa et le gouverneur de province Bakomi Tongabu a réceptionné la première cargaison suivante. C'est ce dimanche 25 août 2024 que la toute première rotation sur une dizaine attendue transportant la première cargaison du matériel destinée à la construction du pont sur la rivière Bomokandi long de plus de 80 mètres linéaires dans le territoire de Ouattara pour un total des 180 tonnes environ est arrivé à Isero et le déchargement s'est déroulé en présence du gouverneur honorable Jean Bakomi Tongabu accompagné de son vice Christophe Daramatata. Il remercie les élus nationaux du Haut-Uele pour leur plaidoyer et surtout les chefs de l'État pour avoir écouté le cri de détresse de sa population. La population tout entière les remercie. Le chef de l'État tienne à la promesse qu'il a faite lors de la campagne électorale pour que la population puisse retrouver son sourire à travers des actions concrètes dans le domaine des infrastructures. Même son des cloches de la part du président de l'organe délibérant provincial, honorable Justin Zamba. Nous disons merci au chef de l'État pour accompagner notre exécutif, pour permettre à la population de bien respirer. Le chef des secteurs Gombari, Polé, Kombomaro, dont la rivière traverse l'entité, et l'honorable Bismik Ebouélé, élu du coin, poussent aussi un ouf de soulagement au regard des souffrances endurées par les riverains et les usagers de la RN26. Signalons enfin qu'il faudrait attendre encore quelques semaines pour que la circulation reprenne normalement sur ces ponts, indique le ministre provincial des Travaux publics, Norbert Mandana, qui salue le management du gouverneur Jean Bakomi Tongabu dans le financement de ces travaux. Spectacle désolant à Kinshasa, les maisons sortent de terre sur deux sites de l'État. Dans le quartier Ndjili Brasserie, par exemple, ce site qui est un domaine réservé à l'Unikin de Kinshasa, vocation agricole, est menacé de spoliation. Malheur est de constater qu'un groupe d'individus se réclame le seul propriétaire de ce site et le recteur de l'Unikin est allé sur place. Deux maisons pillées illégalement sur ces sites appartenant à l'université de Kinshasa, de la spoliation, ni plus ni moins, et même certaines entreprises de la place ont construit ici, illicitement. Et pourtant, c'est une propriété privée de l'université de Kinshasa, destinée à la pratique des expériences agricoles, de la faculté d'agronomie et autres de cet alma mater depuis la nuit des temps. Nous voulons faire réellement un espace pour accompagner la vision du chef de l'État dans le sens de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais également en faire un terrain de formation. En se déplaçant vers ces sites depuis plus de 400 hectares les samedis derniers, le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kaimi, CRT, a un rectificat catégorique d'IRCD, car les occupants s'y disent maîtres du lieu. Mais depuis un certain temps, nous avons appris qu'il y avait une spoliation de nos terrains par quelques personnes s'identifiant comme étant des propriétaires de terres dans un pays qui est quand même dirigé.
toutes les invitations de la part du recteur Jean-Marie Taïbi pour éclairer la situation n'a servi à rien, car ses occupants, bien que dans l'illégalité, assurent détenir des documents illégaux. On ne reconnaît aucun document en l'air de l'ancien pouvoir. Par contre, au nom de l'université, nous avons tous les titres cadastraux des affaires foncières qui nous donnent raison, qui nous donnent ces 410 hectares. C'est la justice. Devra ainsi trancher et établir les responsabilités entre les deux parties en conflit foncier. Certains, le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Taïbi, dit faire pleinement confiance en la justice. Un accord a été signé entre le banc syndical du secteur de l'éducation et le gouvernement, dont l'amélioration des conditions sociales de l'enseignant. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a clôturé ses travaux suivants. Au terme des travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, marquée par les âpres échanges tenus entre les deux parties jusqu'à l'aurore, avec à la tête le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant Madame la Première ministre, assistée du ministère de l'Éducation, Raissa Malou, au budget, Elie Bogi, du ministre des Finances, Doudou Kouamba, des vice-ministres à l'enseignement et au budget. Ces assises sont connues, un atterrissage en douceur, avec la signature du protocole d'accord, prenant en compte les résolutions visant l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants de l'école primaire et secondaire, telles que voulues par le président de la République, Félix Tshisekedi-Tshilombo. Ensemble, nous devons continuer à travailler avec ardeur et détermination pour réaliser les aspirations de notre pays et honorer la confiance que son Excellence M. Félix Tshisekedi-Tshilombo a placée en nous. Nous restons résolus à transformer nos engagements en actions concrètes et à bâtir un avenir meilleur pour l'éducation en République démocratique du Congo. Le gouvernement a réitéré son engagement de poursuivre avec le processus visant à rendre viables les conditions de vie et de travail des enseignants et ce, dans le but de garantir une bonne éducation des enfants congolais. C'est donc ces hommes et ces femmes qui sont nos héros, qui nous ont appris à lire, à compter et à devenir des hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous allons tous ensemble nous battre pour matérialiser la vision chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est vrai que nous avons des ambitions beaucoup plus grandes et légitimes, mais ainsi que nous l'avons dit, c'est petit à petit que l'oiseau construit son nid. Et nous n'avons aucun doute qu'avec la synergie que nous avons mise en place, nous allons certainement aboutir dans les mois, les années qui viennent à une amélioration nette des conditions sociales de l'enseignant congolais. Les processus sont enclenchés pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants à Kinshasa comme en province ne devra pas être stoppé et le gouvernement est déterminé d'aller jusqu'au bout de la réforme avec le toilettage du fichier grâce à l'identification biométrique permettant d'élaguer l'effectif, ainsi garantir la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Après la tenue du Conseil national de sécurité élargie, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Moudionvita, palpe du doigt la réalité du commandement du 21e région militaire, c'était au Kasaï oriental, accompagné du gouverneur de province. Le numéro 1 de la défense avait également pris part au briefing tenu sur place. Le détail avec notre consoeur Sandra Nyankita. Les réalités du commandement de la 21e région militaire préoccupent au plus haut point le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Après la tenue du Conseil de sécurité élargi, Guy Kabombo Moudionvita, accompagné du gouverneur de province, a voulu en avoir le cœur net. Il a d'abord pris part au briefing organisé par le commandant région intérimaire de la 21e région militaire, le général de brigade Bolingo Matani Wavubi, qui a brossé l'état général de son commandement. Au regard de quelques difficultés logistiques présentées, le numéro 1 de la Défense nationale a procédé à la visite des quelques infrastructures y rattachées, à savoir l'hôpital militaire, le palais de justice militaire, le camp scellé, la messe des officiers, la poudrière et
quelques projets initiés, promettant d'examiner les différentes préoccupations soulevées, le patron de la Défense nationale a réaffirmé l'engagement du gouvernement de renforcer les capacités de l'armée et d'améliorer les conditions de travail des militaires. Ministère de l'Intérieur, entre-temps, une brochette de conseillers communaux a échangé avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, au menu de leur discussion, la problématique liée à leurs émoluments et la création d'un cadre de collaboration afin de leur faciliter de bien mener leur mission au niveau communal. Le détail avec beaucoup mon conseiller. Plusieurs mois après l'élection, les conseillers communaux ont résolu de soumettre leurs désiderata au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani. Ces derniers réclament les paiements de leurs émoluments et les frais de fonctionnement. À cela s'ajoutent les problèmes liés à leur installation. Nous avons également porté à sa connaissance le non-respect des immunités des honorables conseillers communaux par les services de sécurité et de la police nationale congolaise. Ils ont également sollicité auprès du patron de la territoriale nationale la création d'un cadre de collaboration afin de concrétiser leur mission au niveau communal. Il est important pour nous de porter à la connaissance de notre ministre encore des autonomies qui existent entre les exécutifs où le gouvernement sont régis par le décret de loi de 1998 et les conseils sont régis par la loi organique de 2008 où les thématiques ne s'accordent pas. Cette réunion était bénéfique parce que monsieur le premier ministre de l'Intérieur Le patron de la sécurité nationale, Jacquemin Chabani, les rassure de son accompagnement pour des solutions dans un délai acceptable. Cette investiture a été une opportunité pour la gouverneure du Lualaba de dévoiler son plan d'action qui s'inscrit dans la continuité des acquis déjà engagés lors du mandat passé. Son programme repose sur cinq axes qui va du capital humain à la modernisation des infrastructures en passant par la bonne gouvernance, la protection de l'environnement et la croissance économique de la province. Tout cela avec près de 400 projets de développement et une enveloppe chiffrée à 9 billions de francs congolais. Fifi Masuka Saini a séduit son auditoire par la pertinence de ses arguments. La promotion du système éducatif n'est plus simplement une priorité, mais aussi une nécessité et une urgence. En plus de les équiper en matériel scolaire de base, nous augmenterons la capacité d'accueil des écoles publiques niveau maternel, primaire et secondaire. C'est dans cette optique que votre gouvernement poursuivra le programme de réhabilitation, de construction et de modernisation des écoles à travers toute la province, ainsi que le renforcement des capacités du personnel enseignant, afin d'oublier le développement de ce programme ambitieux connaîtra l'apport du gouvernement central et provincial ainsi que d'autres partenaires financiers dans l'unanimité. L'auditoire lui a donné son aval pour le début de ses nouveaux mandats qui augurent des nouveaux de lendemain pour le Lualaba. En difficulté depuis plusieurs années, la cimenterie nationale peut espérer reprendre la production. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Moussa, a effectué une visite sur le site. C'était le samedi dernier. Il croit en la relance au grand bonheur du travailleur, nous dit Edith Chala. Déterminé à mettre en œuvre la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, relative au redressement des entreprises du portefeuille de l'État, Jean-Lucien Moussa Tongba, ministre du portefeuille, a visité samedi les installations de la cimenterie nationale à Kimpé dans le territoire de Songolo. Le ministre du portefeuille a voulu palper la réalité de cette cimenterie construite en 1960 dont la taille de production est estimée à 300 000 tonnes. Il y a lieu pour le ministre de reconnaître que cette usine est en passé de fonction. Elle dispose d'un personnel de qualité et légiste.
gisement est encore disponible pour près de 50 ans d'exploitation. À la suite de cette descente, le ministre Jean-Lucien Boussa a promis de proposer au gouvernement des alternatives pertinentes en vue de relever les défis de la relance de la production de la cimenterie nationale. Le temps est arrivé pour que nous puissions relancer cette entreprise dont l'État est propriétaire à 91%. On ne peut pas laisser tomber cette entreprise au profit du secteur privé, que j'ai soutenu par ailleurs. À ce jour, elle produit des caillasses et la poudre de calcaire. Débutée par la grande carrière, la visite a ensuite conduit le ministre au concasseur en passant par la fleuve de refroidissement pour chuter au lieu de stockage. Forum sino-congolais sur les mines à l'espace Grand Kassai, belle opportunité d'affaires ayant permis aux investisseurs chinois de découvrir les potentialités économiques de cette partie de la République démocratique du Congo. Ouverture samedi 24 août 2024 du premier forum économique sino-congolais sur les mines dans l'espace Grand Kassai qui se tient en Bujima et organisé par la minière de Bakwanga. Pendant deux jours, une soixantaine d'investisseurs chinois, quelques opérateurs économiques et des experts congolais réfléchissent ensemble en vue du développement de cette partie de la République démocratique du Congo. La cérémonie de l'ouverture de ces assises a été présidée par le ministre des Mines, Kizito Pakabomba. Dans son intervention, l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a formulé le souhait de voir ce partenariat se pérenniser. Les entreprises chinoises ont travaillé plus activement. On partage le bénéfice avec les communautés locales. Les partenaires chinois prennent pleinement leurs responsabilités sociales dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'énergie, de la voirie, du renforcement de capacités et des infrastructures publiques. Rido Katende Mouya, ancien directeur général de la MIBA, pris comme expert, a pris la parole pour comptabiliser les réserves minières de la MIBA encore intactes, d'où son appel lancé aux investisseurs à venir faire leurs affaires à la minière de Bakwanga. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a annoncé une bonne nouvelle selon laquelle le gouvernement central a décidé de donner à la MIBA 70 millions de dollars américains pour sa relance. C'était avant d'évoquer les facteurs qui freinent le développement. Série de discours terminée, la parole a été tour à tour accordée aux trois gouverneurs de province présents dans cet atelier. Et chacun a vendu l'image de sa province aux investisseurs, attendant leur décision d'investir. Une année après sa prise de fonction, l'équipe dirigeante du cadastre minier a présenté les avancées majeures enregistrées, notamment l'assainissement du fichier cadastral de mines, réouverture de certains guichets. C'était en face de la presse et un échantillon d'opérateurs miniers, un exercice qui s'inscrit dans le cadre de la redevabilité. Depuis leur arrivée à la tête du cadastre minier, l'équipe Mabolia a pris l'initiative de rendre compte de ses actions au public à travers un café de presse. Pour la deuxième fois, l'équipe dirigeante a convié la presse ainsi que ses partenaires à ses rendez-vous de redevabilité. Un exercice qui consiste à faire connaître au grand public la réalisation de cet établissement de l'État. Pour Popol Mabolia Yenga, toutes les orientations et directives données par le gouvernement par l'entremise du ministère des Mines sont appliquées afin d'assainir les fichiers cadastrales. Le code et le règlement minier font beaucoup de dispositions, mais qui n'ont pas été suivies soit par nous, soit par les collègues des autres services. Et donc nous sommes en train de ressasser, de ressortir tous ces éléments qui doivent faire partie des règles qui doivent être appliquées. Et donc, nous sommes en train de faire l'actualisation des cahiers d'enregistrement des droits et titres miniers, des registres en conformité avec le code des règlements miniers. Lorsque nous avons fait le code minier en 2002, on ne pensait pas qu'aujourd'hui on parlerait de minerai critique, de transition énergétique et tout ça. Et donc, quelquefois, il faut maintenant se réajuster. Fort heureusement, il y a des dispositions dans le code minier qui permettent la classification des minerais stratégiques par le gouvernement. Et à partir de là, des dispositions pratiques doivent être prises pour voir comment on peut faire l'exploitation de la classification de ces minerais critiques. Une
année après les autorités du cadastre minier se sont réorganisées en ouvrant d'autres bureaux provinciaux pour renforcer la proximité avec les opérateurs miniers. Au chapitre du numérique, souvent à présent, ce qu'a été le Forum africain des experts du secteur de l'Internet avec Christine Lindon. Lors des travaux aux assises de AFIF 2024, plusieurs panélistes et tous experts du secteur de l'Internet se sont succédés sur le podium pour développer des sujets propices au développement de ces secteurs. Le cas de ces professeurs chargés du numérique à l'Université tchèque Hamidou Khan, qui fut dans le panel de la régulation et politique à mettre en place pour le développement de l'Internet et les points d'échange qui se mettent en place. C'est l'occasion de revoir aussi la communauté très active qui est là pour le développement de l'Internet au sein de notre continent. Déjà au niveau local, on voit les progrès qui sont faits par les pays avec les ressources Internet qui sont beaucoup plus utilisées dans nos pays comme les ASN, comme les adresses IP, etc. Mais de plus en plus aussi, on a des points d'échange qui se mettent en place. Même si le trafic, l'échange de trafic reste encore très faible entre les différents pays. C'est la raison pour laquelle, lors de notre panel, nous avons mis l'accent sur la sensibilisation des décideurs. L'exploitation du marché de la RDC en RDC, abordée par Laurent Toumba de ISPA et DRC. DRCX, dans un second rôle pour sa croissance, thème analysé par Nico Tinto de ISPA DRC. La mise à jour d'Afrinic par ses Cédric Adrien Beillet, la politique et la régulation de l'interconnexion développée par Serge Parfait de Goma, Christian Katende de RPTC, Philippe Kwame, régulateur de Côte d'Ivoire, Mohamed Redman, XPN, Yves Nseka de Liquid Telecom, pour ne citer que ces quelques panélistes. Un coup de pouce pour quelques parents du quartier Kingaboa dans la commune de Limété. En cette période de préparatif de la rentrée de classe, ils ont bénéficié de kits scolaires pour leurs enfants. Un geste de générosité qui porte la marque de maître Fidèle Kaninda. Certaines de familles du quartier Kingaboa dans la commune de Limété est exemptée de l'achat de quelques fournitures scolaires. Chaque parent a reçu stylos, cahiers et autres objets classiques. À cela s'ajoutent des uniformes prêts à porter et tissus. C'est un don de la structure dénommée Les Amis de Maître Fidèle Kaninda à la grande satisfaction de bénéficier. En tout cas, nous n'arrêtons pas de remercier notre héroïne vivante qui est Kaninda Fidèle, qui nous a toujours soutenus. Ce n'est pas sa première fois de commettre cet acte. Et nous aider quand elle est rentrée. Ça peut être sa 9e ou 10e fois qu'elle vient souvent au secours des parents chaque année. Nous remercions Dieu d'avoir une héroïne. Pour Maître Fidèle Kaninda, ce geste de générosité témoigne son attachement envers la population de ce coin. Je dois continuer avec ces œuvres philanthropiques qui consistent à aider et à alléger la population des limités. Et je leur promets d'être toujours à leur chevet à chaque fois qu'ils auront besoin de moi. Vous savez, Limété est grand, Limété englobe en son sein 14 quartiers. Et nous avons vraiment préféré aller quartier par quartier comme on le fait d'habitude. Parce que réunir tout le monde, il y aura trop de désordre. Cette énième distribution s'ajoute à une série des actions similaires effectuées dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025. L'interdiction d'importation de produits commerciaux aura l'avantage de booster les activités de multiples industries congolaises en le protégeant de la concurrence étrangère dans différents secteurs de la vie nationale, de propos martelés par certains hommes de science. C'était au cours d'une matinée scientifique de réflexion. Reportage Pierre Mbouyou Saïdi. La mesure gouvernementale portant interdiction d'importation du ciment, de la bière, des boissons et autres produits commerciaux, sans oublier de biens économiques de première nécessité, constitue une ferme volonté des autorités politico-administratives congolaises compétentes de protéger l'industrie locale, d'encourager la pratique de la fraude
de la sous-évaluation et de combattre vigoureusement les dumpings commerciaux dans les différents postes frontaliers du pays. Cette mesure a été saluée par le Panthéon du savoir congolais à travers un panel d'éminences grises spécialisées dans le secteur de l'économie industrielle. Par le temps qui court dans notre pays, cette mesure semble être salutaire pour la nation. Ce sont des restrictions commerciales. Parce qu'il faut protéger les intérêts nationaux. Il faut aussi éviter la fuite de réserves de change, des devises. Lorsqu'on prend une telle décision et qu'aucune mesure est arrêtée, on va connaître la même situation. Une telle décision de cette envergure devrait tenir compte de ces deux réalités économiques, l'offre et la demande. On protège l'industrie nationale contre la concurrence étrangère. Avant de prendre cette décision, je parie qu'il y a eu une étude au préalable, parce que c'est une mesure économique. Et une mesure économique ne peut passer outre la loi de l'offre et de la demande. La quête de cette souveraineté économico-commerciale et industrielle de notre pays sur l'échiquier international respecte les prescrits de certaines théories scientifiques dispensées dans nos alma mater. De manière scientifique, quand un pays se sent menacé par les produits étrangers, la théorie économique recommande le protectionnisme. Il y a les répercussions sur le prix. C'est ce qui va se manifester. Mais au fil du temps, quand les choses vont prendre une vitesse de croisière au niveau local, le prix va avoir tendance à baisser. Et on va reprendre les équilibres fondamentaux au niveau local. À travers la lecture scientifique de cette mesure économique, l'intelligence congolaise s'engage à la répercuter dans certains auditoires spécialisés de nos universités et instituts supérieurs. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez compris, c'est la fin de ce journal réalisé par Mamita Bangoulou en parfaite collaboration avec Jonathan Mumbolama, la partie technique. La partie technique a été assurée par Joseph Nzenzo, José Dimonekene et Alain Sodi. L'actualité continue sur la nationale à 13h30. Vous aurez sur ce plateau notre consoeur Luisette Nsakala. Entre-temps, notre consoeur Bénédicte Mabunda continue de vous tenir compagnie sur la télévision nationale. Au revoir.